Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau épisode de Pokémon version blanc sur la Nintendo DS. Et c'est celui-ci. Et avant de continuer, je vais faire une petite mise à jour. Donc voilà, j'ai gagné pas mal de niveaux. Guerrier Aigle est au niveau maintenant 54, Zoroark niveau 51, Lagron niveau 52 et Dracaus a évolué à Dratak au niveau 50. Et il est maintenant niveau 51. Et finalement, nous avons 6 Miabras au niveau 51 également. Donc, je me suis entraîné pas mal de fois ici, donc je vais me soigner rapidement. Je vais utiliser une super repousse. Puis, je vais soigner Dratak et Guerriaigle. Voilà, je vais maintenir Guerriaigle en avant. Allez, on va traverser la route de victoire. Il y a pas mal d'endroits à visiter. Tiens, 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 une dresseuse. La route est assez longue. Il y a pas mal. Il y a pas mal de passages où il faut utiliser des compétences spéciales comme force ou surf. Ainsi, des dresseurs qu'on va devoir affronter. Et un avantage pour nous. Voilà. Je vais utiliser. Ouh. Et il a appris chute libre. Je pense bien que c'est au niveau 48. Je vais utiliser. Et curieusement, il est plus rapide que nous. Pas mal. Chute libre, on porte l'ennemi dans les cieux, puis le lâche. Excellent. Il n'est pas aussi puissante l'attaque. La 60 en pouvoir. Il va utiliser Blitz. Allez, la grande, pour toi. La grande a aussi appris au niveau 52, je crois, séisme. Voilà. Ça va faire mal. Séisme. Écrasement, mais bon. Ça va faire mal pour toi. L'attaque séisme est vraiment dévastatrice. La grande est devenue l'un des Pokémon ayant les attaques les plus efficaces et puissantes. Séisme. Plus sûr. Pas mal. Donc, je vais sortir d'ici. Tiens. Ah ah. Il a trop peur. Donc c'est une façon de vous dire que vous pouvez glisser. Je vois. Tout d'abord, je vais aller parler, voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre bout. Je vais utiliser Surf. Ah ah! On trouve un rappel max, pas mal. Faut tout explorer, j'avoue. On peut trouver parfois des objets très intéressants. Mais peut-être qu'on oubliera peut-être plus tard de revenir les chercher. Ah ah! Peut-être qu'on va l'affronter. Allez, on va descendre par là, puis on prend cette route. D'accord, allons-y, on va entrer par ici. Nous avons un choix d'utiliser surf ou pas. Pour le moment, non. Mais ici, oui. Allez, la grande, emmène-nous là-bas. On trouve une super bonbon. Voilà. C'est toujours très utile. J'ai pas mal de super bonbons en sac que j'ai jamais utilisé. Et je compte bien ne pas utiliser. Voyons voir pas ici. Ah, il y a un dresseur. Blablabli, blablabla. Allez. Sans tarder de plus, on va l'affronter. Il a deux Pokémon. Ouh, il y a un Mastouf. Pas de panique. Je vais utiliser éclat de griffe. Ah oui, aussi, il a appris éclat de griffe. Super puissante. Et elle a des chances de diminuer la défense de l'ennemi si frappé. Allez, on va utiliser lame d'air.
Excellent, il est apeuré. Pour qu'on en finisse, une fois pour tout. Brutapod. Je laisse Kerriag en avant. Ah ah. J'ai bien fait. Allez, on va utiliser chute libre. Pas très efficace. Allez, viens pas ici. Et ça sera super efficace et un KO, je pense. Voilà. Par la même occasion, ça sera un niveau plus pour Kerriag. Voilà, félicitations. 55. Voilà, Kerriag, maintenant, tu peux aller à la retraite. Qui je vais mettre en avant? J'ai l'impression que je devrais mettre Zoroark en avant. Allez hop. Je préfère y aller par là parce qu'il y avait un objet ici. Là, c'était 12 provoques. Génial. Maintenant, on peut retourner à l'intérieur. Généralement, il y aura des va-et-vient. Juste histoire de récupérer les objets. Et on trouve un joyeux spectre par chance. Tu parles de chance. Pas ici? Ah oui. On va entrer par là. Et tu as trop peur. Ok, attendez juste une petite seconde. J'ai l'impression que j'ai raté quelque chose. Ok, repousse. Vite fait. Ah non. Voilà. Ah, j'ai peur de perdre beaucoup de temps ici. Ah non, il n'y a rien. Bon, c'était le bon chemin. On continue avec. Maintenant, la question c'est si c'est d'aller à droite. Non. C'est mieux d'aller à gauche. Il y a deux passages. Le premier c'est par ici. Mais est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Tu me libères le passage. Ou bien c'était pas vraiment nécessaire. Ok. Vénérable. Nightram. Waouh. Bon choix. Voilà. Moi, je vais utiliser Tranche Nuit. Super efficace. Voilà. Et un de moi, pas mal d'expérience. À flamme noire. Je regarde toujours Simia. Je veux dire. C'est un Pokémon de type feu, je crois. Donc je vais utiliser Tricherie. Excellent. Ok. Ça peut paraître dangereux, mais bon, nous sommes frappés par tunnel, ça va faire beaucoup de mal, pas autant, mais bon, aussi il a appris punition, donc juste histoire de ne pas se demander d'où il a appris. Je voulais lui apprendre bas l'ombre, là c'était 30, mais je me suis dit finalement, bon, pas la peine. Et Fragilady. Ça sera pour Simiabras. Voilà. Et ça sera Roue de Feu. Généralement, Simiabras n'a rien appris depuis la dernière fois. On utilise Danse Folle. Attention. Mash Punch. Allez, Simiabras, tu peux le faire. Excellent. Et c'est gagné. C'est gagné. Généralement, après ce combat, ou bien je veux dire la traversée, je vais m'entraîner encore plus pour gagner plus de niveaux. Il y a des Pokémon de type combat, je pense.
Je pense mettre Simia Braz en avant. Juste au cas où. Tiens. Tu parles de hasard. C'était pas un hasard. Mais c'était intentionné. Allez, il a 3 Pokémon. Ah, j'ai bien fait le choix. Donc le feu sera très efficace sur lui. Roue de feu. Ou pas. Waouh. Je vais utiliser Close Combat. Ah oui, les attaques donc de type combat sont très efficaces contre lui. Voilà, c'est gagné. On va utiliser Kung Fuin. Ok, qui sera le prochain candidat? Je pense bien que ce sera pour Dratak. Ou bien la grande tout d'abord. Dratak est assez puissant comme ça pour le moment. Il a une très très bonne vitesse, très bonne attaque spéciale, très bonne attaque, donc il va se retenir pour le moment. Surf. Et un de moi. Et c'est gagné. Beto Chef. Tu gagnes toujours la grande. Ah oh. Je vais utiliser séisme. Mais il va résister. Précision complète, mais sans aucune importance. Il va pas tenir à nous. Allez, sûr. Excellent. Presque niveau plus. On va y arriver petit à petit. Ah, mais c'est un médecin. On va le combattre. Comme ça, on aura droit à des soins gratuits à chaque fois qu'on en a besoin. Et histoire d'économiser les objets de soins que nous avons. Excellent. Voilà, je vais utiliser. Oula. Nous sommes dans un désavantage ici. Et le chaos. Ah, j'aurais dû faire attention. La grande en avant. Pardonne-moi, Simia Braz, mais bon, t'auras la chance après, sûr. Rien de moins. Afin d'atteindre le niveau 53. Félicitations. Voilà. Maternelle. Je crois bien que ce sera pour Zoroark. Voyons voir. Oh. Pas vraiment. Mais bon, feinte. J'aime bien la technique feinte. Oula, plaie croix, ça va faire mal. C'était super efficace. Mais bon, ce sera pour Dratak alors. Qu'il est géant. Il est très intimidant. Et ce sera Psycho de Boule. Peut-être que je devrais lui apprendre quelque chose de nouveau. Mais on verra ça plus tard. Merci pour les soins. Ouais, je veux pas me tromper du chemin, donc je vais faire un petit retour en arrière. Et voir maintenant l'autre passage où il mène. Ah, ok. Super repousse, vite fait. Voyons voir ce passage où il mène. Ah, c'est un raccourci. On va le débloquer. Simia Braz, c'est pour toi. Voilà.
On va maintenant prendre l'autre chemin. Ah ah. Ok, c'est mieux, tu restes en avant. Parce que sérieusement, tu as vraiment besoin de gagner quelques livres. Moi, je me soucie pas vraiment trop pour la Ligue Pokémon. Parce que je sais très bien que on va s'en sortir très bien. Voilà, roue de feu. Faut seulement qu'on s'y mis à bras apprend une attaque de feu plus efficace que roue de feu. Mais espérons bien qu'il le fera plus tard. Où a-t-on? Oh oh. Faut que je fasse quelque chose de vite. Close combat. Excellent. On l'a échappé belle. Il est KO. Et un niveau plus pour Simiabras. Voilà. C'est bien. Il veut apprendre acrobatie. C'est ça que de type vol. Je suis curieux si j'utilise Mash Punch. Mais bon, je vais pas lui apprendre. Je le ferai après en utilisant une Kyker si besoin. Flamouton, ça sera pour la grande. Allez, montre-toi. Surf. Pas très efficace. Ceci est efficace. Excellent, bien joué. Allez, sors d'ici, voyons voir où ça va nous mener. Ah, c'est une guérison. Donc voilà, il n'y a pas vraiment grand chose ici, mais bon, nous avons ramassé une guérison, ça c'est bien. Nous avons maintenant le cœur net que maintenant on est sur le bon chemin. Allez. Docteur, soignons encore une fois. Oup. Joyeux feu. Pas mal. Ah, attendez. Je vais dégager le raccourci. Simiabras, fais ton boulot. Excellent. C'est par ici. Ok, je vais pas. Ok, je vais tenter le coup. Ah ah. Du calcium. Mais moi, je veux avoir le cœur net et je vais explorer l'autre côté d'abord. Papa, papa, ça sera vite fait. Heureusement que nous avons un stock de repousse. Ça va nous faciliter largement la vie. Ah, tiens, 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 tiens. Ici, on se bat, bien sûr. Disclic. Excellent choix. Prends ça, roue de feu. Oula, quand même il est très résistant. Allez, pour en finir, même si tu as augmenté la vitesse, si mes bras sont largement plus rapides que toi. Darumako, ok. Ça sera pour qui? Ça sera pour la grande. Allez. Ah oui. Faire attention avec lui, ça sera séisme, ça va faire mal, mais ça, ça va en faire encore plus mal. Excellent.
Crapostule. Ok, qu'est-ce que c'est? Je vais faire appel à Dratak. J'ai oublié ce que c'est Crapostule. Ah oui, je vois. J'ai bien fait alors de faire appel à Dratak. Dratak utilise Draco Souffle. Il utilise Danse Pluie, mais bon, sans aucune importance. Machouille. Excellent. Il a pris Machouille, oui. Il y a pas mal de choses que j'ai oublié de mentionner, mais bon. Mes Pokémon, quand ils ont évolué, gagné quelques niveaux, ils ont... Ah, tout d'abord pas ici. Qu'est-ce que c'est? Un total soin. Bien joué. Et de l'autre côté, oh, excellent. Et où sommes-nous? Ah ah. On va y voir si mes bras, si ce qu'elle est proche de gagner un niveau plus, mais bon, on s'en tape. Allez, on va combattre le dresseur ici. De toute façon, après, je vais gagner pas mal de niveaux. Je vais essayer de les amener tous au 55-56. Excellent choix. Il a un Gigalith. Dernière fois, Goélith. Ça sera pour toi, Mash Punch. Tout d'abord. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Excellent. Pour toi, ça sera close combat maintenant. Excellent. Voilà, rien de moi. Et au massacre. Je dois toujours aussi mes bras pour voir. Oh oh. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Close combat alors. J'espère bien que ça va le mettre KO. Presque. Mais bon, c'est nous qui vont être mis KO. Voilà. Et lui aussi il est KO. Mince alors, j'ai perdu de l'expérience. C'est débile quand même. Ok. Du calcium, bla 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 bla. Je m'en tape. Si mes bras reviennent. Super potion. Et si mes bras aussi. La grande a beaucoup de points de vie, j'ai remarqué. C'est une bonne chose. Oh non, non, non. Peut-être que je suis sorti trop tôt. Je vais continuer à l'exploration. Ah ah. Je vais utiliser force. Voilà. J'étais déjà ici. Ah, c'est Éclatroc. Oh, j'aurais bien aimé l'utiliser pour un de mes Pokémon, mais bon. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait un autre endroit que j'ai pas encore à explorer. Voilà, je vais le faire tout de suite. Pam 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 pam. C'était par ici, voilà. Et... pas ici. Excellent. Nous avons trouvé une hyperballe. Peut-être que c'était vraiment pas nécessaire.
Mais bon, pas de soucis alors. On continue notre chemin alors. Pas ici. Voilà. Pom 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 pom. Et repousse ce disciple. On va utiliser une autre rapidement. Non, je crois bien que pratiquement il n'y a plus rien ici. Nous sommes sortis déjà du labyrinthe. Allez. Donc, la ligue Pokémon, on arrive. Ah, c'est pas par ici. C'est par ici. Allez. Pam 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 pam. Est-ce qu'on peut descendre ici? Ou bien c'est facultatif? Oui, c'était facultatif alors. Juste histoire de ne rien laisser derrière moi. Parce que j'ai horreur de savoir après que j'ai laissé quelque chose derrière moi. Et voilà, nous sommes à la Ligue Pokémon. D'abord, on va parler à celui-là. C'est l'un des plus forts. Il faut vaincre les quatre conseils. Blablabla. Ça marche. Impossible de faire marche arrière. Non, pas pour le moment. On verra bien. Qu'est-ce que nous aurons besoin ici? Ah oui, nous avons déjà nos Pokémon à soigner. On va acheter un max d'hyper potions. Nous aurons besoin d'une dizaine pour les rappels. Trois suffit. Mais total soin? Non, pas besoin. Je crois bien que c'est tout. Ok. Donc voilà, je crois bien que je vais m'arrêter là et je vais aller m'entraîner un petit peu. Et je vous revois après dans le prochain épisode. Au revoir.